Bon, je sais que tu voulais que je réagisse. Je m'exécute, je m'exécute. Hein. Ah, là, Kiki Palmer et Usher, rien. Du pipi de chat. Ah ouais, non, là, il n'y a vraiment aucun doute là-dessus. Même Kiki Palmer, elle a regardé la vidéo, elle fait. Ah ouais, non, tu vas fort hein, quand même. Hein. Là, tu vas fort. Bref, avant de commencer, je te rappelle que tu peux accéder à ma formation gratuite pour pouvoir créer ton business en ligne. Ce sera une étude de cas où je te montre comment je fais 20 000 euros une semaine. Je te montre étape par étape pour créer ton business en ligne, en gros. Hein. Et je te montre aussi comment utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir être plus productif et générer plus de cash, du coup, automatiquement. Hein. Donc, avant de créer un hack, regarde quand même. J'ai déjà accompagné des personnes à gagner de l'argent. J'ai déjà des personnes à être indépendantes financièrement. Tu as tous les témoignages sur la chaîne. Et puis voilà. Donc moi quand j'ai vu ça, j'ai vu la vidéo, j'ai tout de suite cherché dans les commentaires les meufs qui vont dire non mais c'est bon, faut que les gars qu'ils arrêtent d'être insécures, c'est juste de la danse. Je cherchais parce qu'en fait j'ai déjà vu, ça va tellement loin et il y a toujours des meufs qui arrivent à dire ouais non mais c'est bon, faut que les gars arrêtent d'être insécures et je sais pas quoi. Donc là je voulais voir quand même vraiment est-ce qu'elles vont dire ça pour ça aussi. Je suis curieux, tu vois. Hein, bon, c'était un peu mitigé. Non, là, quand même, il y en a. Même les meufs, elles ont fait. Bon, là, quand même, peut-être que. Bon, voilà. Voilà. Parce que depuis que Cher, il a fait. On appelle ça de la performance et de la danse, les gars. Les gars, vous êtes insécure, les gars. Je frotte ta meuf, mais c'est de la performance. Attends. Voilà, je pénètre ta meuf, c'est de la performance. Je veux dire, les gars, faut arrêter d'être insécure, les gars. Hein? C'est de l'acting, les gars. Vous êtes. Hein, vous n'êtes pas assez créatif, vous n'êtes pas assez dans le. Hein, faut être. Calme-toi, c'est plus l'époque d'avant. Hein. Je peux frotter ta meuf, je peux faire ce que je veux, simuler une relation sexuelle avec elle. Et c'est normal, c'est de la performance, les gars! Faut grandir un peu là. Hein. Donc là, tu crois que j'exagère, mais cette narrative, elle passe normal. Tous les gars se font manipuler. Ah non, moi je suis pas insécure. Oui, non, ma meuf elle peut danser avec Cher, il n'y a pas de problème. C'est bon, c'est de la performance. Il n'y a rien, il n'y a aucun problème. Mais arrêtez de vous faire manipuler, les gars. Et tout le monde se fait 40 en plus. C'est plus une disquette, les gars. Là mettons, on a l'air des puces. Hein, des puces dans le cerveau, là maintenant. C'est une puce, les gars. Mettons, on a fait croire aux gars, la narrative, c'est que c'est bon, c'est de la performance, que ton gars, Cher, il prend dans ses bras de dos Alicia Keys en plein chaud, voilà, et qui frotte son bassin sous le bassin derrière Alicia. Ça, c'est bon. C'est normal, il n'y a rien. Trop insécure, les gars, c'est de la performance. Cher, il doit bien rigoler dans sa tête. Mais revenons à nos moutons, à cette demoiselle qui simule un tas de choses. Hein. Pour moi, toute cette narrative, c'est pour pouvoir. Les meufs, elles savent vraiment ce qu'elles font. Elles sont pas. Hein. Elles ont des yeux comme nous, hein. Elles voient. Hein. Elles savent vraiment ce qu'elles font. Elles veulent créer cette narrative pour pouvoir avoir la liberté de faire exactement tout ce qu'elles veulent, parce que la plupart d'entre elles sont promiscues. Elles sont tentées de pouvoir faire un petit peu la puterie, tu vois. C'est en elle, et du coup, mais elles veulent pas passer pour une mauvaise femme, tu vois. Donc, du coup, la technique c'est de faire croire que, mais non, mais ça, une bonne femme peut faire ce genre de choses, il n'y a pas de problème. Non, si ton gars il est pas insécure, c'est bon. Comme ça, elles sont tranquilles, il n'y a pas de limite, et elles ont le beurre et l'argent du beurre. Elles ont une relation, voilà, bien, et en même temps, elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent. Voilà, hein, là, on arrive à un stade où même le gars, là, Adam, lui, sa meuf couche avec d'autres gars, et c'est cool, il n'est pas insécure. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui pénètre. Et qui ressort de chez sa femme, que enfin, c'est rien quoi. Elle est toujours pareille, elle n'a pas bougé, toujours de la même forme, toujours c'est là elle. C'est pareil, donc il n'y a pas de problème en fait. Comme ça, c'est bien, aucune limite, on est dans le progrès. Non, mais tu imagines dans le monde dans lequel on vit, il n'y a aucune empathie. Elles ont de la sympathie, mais de l'empathie, non, je ne crois pas.
Il faut vraiment aucun cœur pour pouvoir faire ça, émasculer ton gars devant tout le monde comme ça. C'est Belzébuth, tout ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde rigole. Les meufs à côté du gars, ils sont en train de rigoler, il peut que secouer sa tête. Qu'est-ce qu'il fasse? Eh, il y a des gars comme ça. Les gars, il y a des gens, ils peuvent se suicider à cause de trucs comme ça. Hein. Ça veut dire que même lui, s'il était assez faible pour pouvoir accepter et dire, allez, c'est pas grave, bébé, c'est bon, tu t'es perdu, tu t'es égaré. Allez, c'est pas grave, reviens. Il peut même pas. Il est déjà la risée de toute la ville, du monde entier, gars. Il est la risée, gars. Plus personne va le respecter. Et surtout, imagine, elle fait ça devant toi. Qu'est-ce qu'elle doit faire comme derrière toi? Et sûrement, le gars, il a payé les tickets. Ah oui, il a payé les tickets. Le chanteur lui dit, vas-y, vas-y, viens, monte. T'imagines, t'es avec ta meuf, le gars, il dit, vas-y, viens, monte. Mais je vois pas à quel moment ma meuf, elle peut aller et monter. Mais déjà, juste ça, c'est ouf, déjà. Juste ça, c'est ouf. Mais attends, mais où tu vas? Déjà, juste le regard, elle aurait compris. J'aurais même pas besoin de regarder, elle sait. Je vois pas une meuf avec qui j'étais en relation sérieuse qui aurait pu faire un truc comme ça. Mais tu me respectes, mais c'est même pas... Ça peut pas... Comment ça peut même rentrer dans ton cerveau? Comment ça peut monter? En plus, le truc, il part comme ça. Le gars, il a même pas tenu sa meuf. Il dit, mais tu vas où là, comme ça? Comment ça? Ça veut dire de base, elle avait aucun respect pour lui. Elle dit, oh, c'est pas grave, allez, je vais monter. Elle est montée. Alors déjà, en plus, là, c'est ouf, déjà, ça. Tu montes. Après, une fois que t'es sur scène, tu simules des fellations. Tu simules différentes positions. Mais tu veux quoi? Tu veux éradiquer ton gars? Tu veux qu'il soit traumatisé à vie? Qu'est-ce que tu veux, en fait? Et tu fais ça publiquement, mais qu'est-ce que tu t'es dit, là? Mais tu voulais vraiment... Les gens n'ont pas de cœur, là. Voilà la conclusion. Les gens n'ont pas de cœur. Ils continuent à vouloir faire le mec. Oui, moi, je suis pas insécure. Moi, il n'y a aucune limite. Elle fait tout ce qu'elle veut, tout. Il n'y a rien, aucun problème. Voilà le revers de la médaille. Voilà ce que, tu penses qu'elle va dire... les gars, ils se disent... Moi, je suis pas insécure, elle fait ce qu'elle veut, mais elle connaît quand même les limites, elle va se mettre elle-même ses limites. Ah ben voilà les limites qu'elle s'est mise. Bon, mais là, c'est bon, on danse. C'est bon, hein? Mais bon, déjà, moi, je pense que si déjà il faut même déjà vouloir, t'as besoin de mettre des limites, c'est plus qu'un red flag. Hein. Si jamais elle comprend pas que là, faut pas aller sur scène et simuler avec un autre gars en face de son gars, je pense ne pas me rater quand je dis que là, c'est quand même un red flag. Je pense que là, les gars, bon. Donc voilà, je savais que tu voulais que je réagisse sur cette vidéo. Donc, les gars, c'est un plaisir. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Si tu veux aller plus loin avec moi, t'as tout en description. Les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et à nous. J'ai ton camp.